Oh, je suis triste, j'aurais tellement. Pierrot, je suis ton père. Lol. Bon, comme vous avez vu, les gens, j'ai coupé la qualité au plus bas parce que j'ai pas un PC de malade. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, c'est pour filmer mon truc là. Tu as la caméra stream. Elle est où? Voilà, là du coup vous voyez mieux la vidéo. Mon dessin en mousse, je lasse deux minutes pour qu'on le voit. Donc voilà. Stream tchoum tchoum caméra. Rigolo comme on court. Avec tout de Burger King. Vidéo en mousse. J'écoute du Aurora, Cure for Me et autres. Je vais vous montrer où j'ai planqué le stylet en fait. Quoi qu'on efface. On peut le refaire apparaître en réinitialisant et tout, mais c'est ça la couille. Attends. En fait, il est planqué là. Il est où? Il est là. Voilà, dans le mur. Chut, on va dire. Non. Ah. Alors, est-ce que je peux trouver le chemin? Oui. Il y a moyen. Alors, pour trouver le chemin des backrooms, il suffit tout simplement de chercher le chemin des backrooms. Qu'est-ce que je suis marrant. En fait, d'abord, il faut trouver l'intersection. L'intersection, c'est où il y a les piliers. Il y a plusieurs piliers. Dès que vous les avez trouvés, je vais vous expliquer comment trouver le chemin facilement. Pendant ce temps-là, je me mets en face cam. C'est même pas sûr que je retrouve le truc. C'est bon. C'est bon chemin. Je connais les backrooms par cœur, donc bah, les backrooms de VFF. Oh, vous avez une belle truffe, monsieur. Oh. Et voilà. En 2 secondes, j'ai trouvé la sortie. Et voilà comment se fait-ce. Là, à quoi ressemble la sortie. La sortie des backrooms. Donc c'est juste une sorte de gros... C'est une sorte de plusieurs cubes. Et en fait, dedans, il n'y a rien. Hein. C'est un trou. Donc je vous dis ciao et la bouche arrête de bugger. Allez, bye.